Salut, aujourd'hui je vous montre comment faire du transfert d'image sur une toile déjà peinte. On a besoin d'une toile, du transcrile, une photocopie imprimante laser, pinceau synthétique plat et pinceau éponge, peinture acrylique, peinture en bombe, scotch de masquage et un feuille de bouillon. Et toujours des outils pour bien travailler. On commence à travailler l'image avant de bien lire ce qu'il dit le fournisseur. Et maintenant, je vais faire la sixième couche. J'ai fait un peu plus de ce qui me dit le fournisseur. Comme ça, ma pellicule en plastique, elle est bien résistante et plus facile à utiliser. Maintenant, le séchage de l'image, on va préparer les cadres. On profite aussi pour recentrer la photo.
la fois bien sec, on peut procéder à la dernière touche avec les bombes. Après minimum 24 heures de séchage, on va enlever les papiers derrière le plastique. Toujours mettre quelque chose de plastifié en dessous. Je laisse imbiber mon papier d'eau. L'eau, il a fait déjà une partie du travail, je vais finir le reste. Si vous n'avez pas le pinceau éponge, vous pouvez faire avec les doigts simplement, vous frottez. Pendant le séchage, il faut que l'image soit sur un tissu. Bien couper les bords. Maintenant, on peut le faire. Maintenant, on va coller toujours avec les transcrils. Vraiment, on prend le temps de bien étaler et pas créer des boules d'air. En même temps, il faut pas aller trop doucement.
Après 24 heures de séchage, je vous montre comment enlever les petits défauts et comment finir d'incruster la photo sur la toile. Alors, je ne sais pas si on le voit, il y a des petites boules d'air. Avec une épingle, je vais faire un trou et je vais faire sortir l'air. Tout simplement. Dernière étape, les vernis. Moi, j'aime bien les vernis mat satiné. J'espère que ce tuto ça vous a plu. Surtout, à bientôt avec Arobi. Ciao.